Salut Bob Lennon, et bienvenue sur Dragon Ball Z Xenoverse 2 en compagnie de Duaner alias Judu Duda. Bonsoir Jude. Bingo. Oh le bingo, magnifique. Et donc toi tu as une saïenne qui s'appelle Lettus. Exactement. Salade, basiquement, hein, voilà, c'est la vraie salade. Oh là là, le bingo, le Tanoshi bingo. Tanoshi bingo. Elle le dit. Ah, je t'attends en cette position. Tanoshi bingo. Tu ne feras l'amour que comme ça. Je bingo, en plus mon personnage a le doubleur de la voix de Vegeta. Tanoshi bingo. Voilà, on est cohérent, on est beau. On est beau, c'est le bingo. Ça veut rien dire. Et aujourd'hui sur Xenoverse 2, pourquoi on revient sur le jeu et pourquoi même c'est en anglais, brave Jean? Parce que grâce à Dudu, on a réussi à le modder comme des fils de foirés. Et du coup, c'est beau. Comme des enfoirés. Et du coup, on a modé le jeu. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne, si vous voyez Sammy de Scooby-Doo qui se bat contre Kermit la grenouille Super Saiyan, ça donne un petit peu près ça. Donc on va s'en mettre plein la gueule, basiquement s'amuser, faire une compile des matchs, de comment on fait de tout ça et on s'en fout. Mais debout. Il est tendu comme un piqué. Droit comme un kiki. Alors qu'en vrai, il faut être pumpé, regarde. Ah, faut être hypé. Hypé. Ouais, c'est bon ça. Les vrais mouvements, attends, vas-y. Nani. Oh, Nani. Et du coup, allons-nous friter dans la bouche. T'as pas le truc des Saiyans, toi? T'as pas la couille Saiyenne comme ah, véhicule. La couille Saiyenne, oui. T'as que le DS, hein. Mais non, c'est X, je crois. Non. C'est X, ouais, c'est bon. Et moi, j'ai le poteau. J'ai le poteau. La course. Oh, la couille volante. Merde. Il gagne. Je freine comme un con. Bon, je peux pas tourner avec le poteau, putain. Ah, ça ne sera que ta première défaite. Ça y est, ça commence déjà à parler mal. Et c'est bon, les PNJ sont pas encore chargés. Ah si, c'est bon. Ah, il y a des gens. Waouh. C'est bon, ils sont là. Oui, ah bah oui, j'y étais déjà. Ouais, c'est ça. Mais pendant une seconde, il y avait des... Pour moi, ça ne marchait pas. Mais c'est pas grave. Player match, sans limitation, créer une room, 1v1. On autorise des objets, nous on autorise les sensu en plein combat, hein, évidemment. On est comme ça, nous, hein, on est sans pitié. C'est canon, hein, c'est... Mais c'est canon, hein, c'est canon, exactement. C'est la triche, hein. Bon, après, il y a Goku qui est là. Hey, Cell. Prends le dernier sensu qu'on avait. Tellement le truc de pute. Tellement sale. Tellement sale. Du coup, je t'ai invité, c'est quand tu veux, oui, et on bourre du DBZ. Alors, on va commencer avec nos persos personnalisés, et après, on montrera un petit peu ce qu'on peut faire avec la magie des mods, hein, chers amis. Mais déjà, on va se friter un tout petit peu, ne serait-ce que pour tester les personnages et tout ça. Alors, ça, vous vous reconnaissez bien sûr, Rice, donc Rie, mon Spaciotron, hein, l'héritier de Cosmotron, mon super-héros. Mais du coup, je vais prendre Spaciotron, comme ta super flic, voilà. Scénario, c'est que je suis en état d'arrestation, je n'avais pas de permis pour être Batman. Parce que vous savez que c'est illégal, chers amis. Si vous mettez un costume. Tu prends ta propre justice. Voilà, c'est ça. Si vous mettez un costume et commencez à mettre des coups de genoux à des mecs qui volent des banques, c'est pas. c'est pas couvert par Emmanuel Macron, ça. Je me demande si tu chopes peut-être plus en arrestation que le mec qui braque la banque. La violence. Alors oui, grâce au mode, on a des nouvelles charges, c'est stylé. Bon, celle-ci, elle était dans le jeu déjà. Divin. Par contre, ça met du temps à charger, mais une fois que c'est fait, j'ai un bonus qui fait que quand je te frappe au cac, je peux plus facilement monter ma mana. Mais du coup, toi, ça frite? Oui, c'est parti. Allez, ça frite. Les téléportes, bien sûr, ça commence. Oh, le papa, merde. Oh, je danse. Oh non. Si. Incroyable. Ça domine. Double punch. La domination. Regarde ça, les mouvements. Dans le vagin. Oh là 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 là. Ça ne peut rien faire. Qui? Il a besoin de son pouvoir. Oui, évidemment. Donc là, c'est le moment de te transformer. Oh oui. Et tu te transformes. Oh mon dieu. C'est tout Saiyaman. D'être Great Saiyager. Oh mon dieu. Great Saiyager, s'il te plaît. Donc tu te transformes. Et c'est trop fort. Non seulement le c'est beaucoup trop jouissif. Voilà, c'est un mode de transformation, chers amis, qui permet de se transformer directement en Super Great Saiyamanda. Où est-ce que tu vises? Non. J'ai tout absorbé. J'ai tout absorbé, il a tout bouffé. Non. Oh mon dieu. Oh non. Le manque de Nani. Oh la bûche. La bûche. Incroyable. Prends ça.
Non, je fuis. Putain, je bois. L'esquive de la mort, ça bourre. J'esquive rien du tout. C'est terminé. Nouvelle transformation grâce au mode et... Oula. Oh non. Je vais récupérer le... Ça, c'est inacceptable. Tu n'auras pas la bite à cause à Spatiotron, c'est inacceptable. Je t'emmènerai moi-même en prison avec ton corps. Oh la vache. Les mustres qu'elle me met. Et question, tu peux te détransformer? Attends. Ah putain. Donc je disais, tu peux te détransformer. Oh trop bien, et tu changes avec moi. Et du coup, et en fait... Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as un casque du coup qu'elle met pas le casque de Great Saiyaman Girl? Je pense, hein, c'est ça. Alors moi du coup j'ai une transformation, vous savez tous qu'avec DBZ Super, Trunks a une nouvelle transformation, une espèce de SSJ 1,5 bâtard, un espèce de faux SSJ bleu, ils appellent ça SSJ 2 mais c'est le Super Saiyan Ikari. Et je l'ai. Oh, c'est stylé et du coup ça me fait les yeux blancs et c'est complètement classe, voilà, ça rend ultra bien. Et il a même la version Whis Control. Oui. Oh là là, et c'est le total là. Prestige. Et là, le prestige est absolu. Oh là là. Oh là là, le dunk. Le volley-boule. Le volley-boule dans les boules. Est-ce que tu t'es soigné pendant que je regardais pas? Non. Derrière. T'as bien joué. Ah, je ne sais pas. Ah, oh. C'est bon, il a bouffé. Il a bouffé. Vous avez blablabla. Je m'arrête avant de tomber, faut pas déconner. Ah, tu veux la jouer comme ça. Allez, petite capsule de vie. Oh non. Oh là là, le sensu. Écoute. C'est rien. J'ai rien senti. Oh non, il en dit j'ai tout anticipé. Prends ça, technique secrète. Oh non, Axian Crusher. Oh non. Il est pas passé. Il est pas passé, t'as eu de la veine. T'as juste eu blablabla. Oh là, les bouboules. Les bouboules en plein contre. Oh, je suis en bon. Oh non, oh la provoque. C'est de la provoque, bien sûr. Évidemment. Oh, c'est de la provoque. Ah putain. Oh, papa, gauche, droite. Et on n'oublie pas de sourire. Ah oui. Oh là là. Yeah. Oh là 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 là. Oh non, il est bloqué. U-I-A-U-I-A-R-U-Y. Ah, je peux plus rien faire. Là, la fessée est totale. Change. Oh, salope. Je vais t'emmener en prison. Oh là là, elle va m'emmener en prison d'elle-même. Oh, la allez, cruauté. Elle est en prison. Ah allez, non, attends. Attends. Allez. Je te tiens. Non, elle me retient. Je m'en mets pas en prison. Je n'ose pas taper mon corps. Tic. Oh non. Ah putain. Oui. Ah merde. J'utilise ta puissance. Ah oui. Attends, attends, c'est la montre. C'est quoi le code? 4-5-5-4-2. C'est quoi le code? C'est bon, j'ai le code, c'est bon. Oh non. Great Saiyan Girl. Stylé. Nini. Oh là 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 là, bien joué. Non. La parade parfaite, le kick. Où ça? Oh, la nuit. Bon, les bouboules. Oh non. J'ai jamais le oh non d'un homme qui réalise qu'il n'a plus de... Qu'il n'a plus de téléport. J'ai plus de vie. Oui. Ah, j'ai raté mon coup. Oh. Je suis dégoûté. Non. Il va mourir. Ah. Je te tiens. Jamais. Rends-moi mon corps, enfoiré. Non. J'ai mon corps. Attends, une seconde. J'ai mon corps. Cependant. Hein. Jamais. Non. Deuxième sensé. J'étais prêt. Ah oui. Ah non. Volleyball. Oh, il a tout raté, l'équipe est honte. Comment ça? L'équipe pleure. Oh le papa. Ce match qui prison. Ne veut rien dire. Téléport contre. Non, prison. Oh, il a cancel le kick. Y'a pas de prison qui tienne. Prison.
non. Tac. Oh non. Tac. Elle va me saisir. Jamais. Prends ça. Megalaxy. Oh putain. C'est bon. Bon. Ah, ce bout portant. La défense de la justice. Est faite aujourd'hui. Nous avons protégé la justice en butant une constable de la marée chaussée. C'est juste dégueulasse. Donc voyez, on peut déjà voir des matchs qui ne veulent rien dire. Moi ça va me faire plaisir, on va se passer un petit temps pour s'amuser comme ça. Est-ce qu'on prend des persos craqués? Est-ce qu'on leur montre un petit peu? Parce qu'ils sont venus pour ça, hein. Ils sont venus pour ça et on a un peu tout et n'importe quoi. Alors on a, dans le jeu, on a bien sûr des nouveaux Goku, hein, un Goku complètement pété, donc c'est le Goku USSJ, LSSJ 3, le Goku DeviantArt. On a Bra de Multiverse j'aime beaucoup, on a Bojack qui se transforme enfin parce qu'il n'y avait pas cette forme, voilà. Il n'y avait pas cette forme dans DBZ de Xenoverse 2. Fascia, on a Muten Roshi, Shishi, putain ça va trop vite, ça va trop vite. Ça va plus le temps. Je prends Raditz. Voilà. J'ai pris Raditz. J'ai paniqué. T'as paniqué. Oh la vache, il a pris le Power Rangers rouge. J'ai paniqué. Il sort les meilleurs modes. T'as pas le Kaioken avec le Power Ranger rouge en plus? Il me semble. Peut-être, hein. Oui, ça serait bien. Attention. Go, go, Power Rangers. Ah, attention, hein. Moi, je vais répondre à une question. La justice, toujours. Je vais répondre à une question que les gens se posent depuis très très longtemps dans Dragon Ball Z. Voilà, est-ce que Raditz peut passer Super Saiyan 3? Et suis-je plus fort qu'un Raditz? La réponse est oui, attention. Trop de cheveux! Trop de cheveux! Tes cheveux sont plus grands que ton propre corps. Hein. J'ai plus de cheveux! Oh la vache! Ça fait des mouvements sexy. Moi je te regarde, je fais des mouvements de tank. Regarde ça. Non, je ne regarde rien du tout! Oh là là! Regarde ça! Hop! Ouh. Oh la la tour! Quelle est la marque de ton shampoing? Oh la vache! L'Oréal, parce que je le vaux bien! Bouffon! Les vacances! Les vacances qui explosent! Les vacances qui ne fonctionneront pas! Ah, ça veut rien dire! Prends ça! Double Thunder! Ah merde! Oh, je suis break! Lors du break! C'est beau! Mais ton style de combat qui est trop stylé et cohérent par rapport au Power Rangers, il me fait jouir. Est-ce que t'as le Kaioken seulement? Non, je ne l'ai pas malheureusement. Rave Hit. Bien joué. Très bien joué, monsieur. Oui. Oh, ces mouvements de French Cancan sublime. Pied absolument. J'ai vu l'entrejambe. Ah, c'est ça. J'ai vu l'entrejambe. Ah putain. Ah, j'ai tout fait. Shibata. Oh là 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 là. Ah, y'a plus rien là. Oh non, c'est fini. C'est fini. Ouah. La justice. Oh non. Ça. Non. Oh. Oh la wave. Je ne ressens plus rien. Ça charge. Et attention, fin des vacances. Oh non. Non. La fin des vacances. Non, ça rate. Oh putain. Oh. Oh, oh les bouboules. Oh les bouboules. Oh oui. Donc malheureusement, Super Saiyan 3 multiplie la puissance par je crois 100, il y a un truc comme ça. Tu sais, il y a un truc comme ça dans Dragon Ball Z, je crois, c'est Super Saiyan c'est x20 ou x50, Super Saiyan 3 c'est x2000. Voilà. Malheureusement, un Raditz x100, ça ne vaut toujours pas un Power Rangers. On a montré le bon exemple aux enfants, après ce qu'on a montré sur la violence policière. C'est ça, ça se fait pas. Est-ce qu'on peut montrer des persos un peu débiles? Est-ce que tu peux montrer un perso un peu débile? Moi j'ai envie de prendre, chers amis, un perso qui s'appelle Gosuke. Voilà, alors il faut savoir qu'on va regarder. Il y a zéro donc de Megaman, hein, qui est stylé, Chrono de Chrono Trigger. On a même Kali, donc la fameuse Super Saiyan Broly du manga. On a Sonic. Il y a surtout le Captain Falcon qui est juste trop fort. Le Captain Falcon. On a tous les Power Rangers. Je te le laisserai celui-là. Bien sûr, mais on a tous les Power Rangers. On a le White Ranger, on a le Yellow Ranger, on a tout le monde. Il y a Kermit évidemment, mais là je vais prendre Gosuke. Donc on prend un perso débile. Alors Gosuke, la fusion entre Goku et Sasuke. Donc me posez pas de questions. Non mais voilà. Oh oui, contre Kermit. Kermit la grenouille. Je fais très mal la voix de Kermit, mais Kermit je suis très mauvais là. Ah putain. Par contre, tu remarques que voilà, Gosuke a quand même le Et en anglais, c'est encore plus compliqué. Il a l'œil de Sasuke, il a le merde, le Sharingan, voilà, c'est ça. Voilà. C'est débile. Où est Piggy, hein? Où est Piggy? Où est Piggy? Où est Piggy? Bah, je te cours dessus avant. Ça bourre. Ah, je vais charger. Par contre, ils sont sympas les modeurs, hein. Ils ont fait des trucs sympas, hein. Faut pas déconner.
Où est la main dans le cul de Kermit, c'est ça la question. C'est ça. Ils ont fait des trucs sympathiques. Regarde, attends. J'ai le Enton Kamehameha, donc l'attaque devant Kamehameha. C'est juste une. Voilà. C'est juste de la merde. T'as vu comment j'ai reculé? Mais oui. Par contre, ça pousse. Avec, hein, avec les bras en arrière. C'est regarde. Ça. Tellement stylé. Et par contre, regarde ça. Katon, Fireball no Jutsu. Oh non. Ça bouge. T'as vu, c'est bien foutu en utilisant les mouvements de trucs et tout. Il bouffe. Du coup voilà, et bien évidemment il faut savoir que c'est un perso. C'est un perso canon, oui. C'est ça, c'est canon. Ça, et attention, Super Susanoo. Que fait-il? Oh non. Bah j'invoque Susanoo et le Super okay. Saiyan mon gars. Ça fait aucun sens. J'en ai besoin aussi. Oh là là. Oh cool, Super de Kermit la grenouille. Je te tiens. Oh non. Tac tac. Il m'a mis la main dans le fion. Ouah, il explose. Ah, ouh là 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 là. Oh le punch. Oh le coup de poing du Kermit. Le coup de poing de la Kermitude. C'est la toi peluche. qui mets le poing dans la marionnette. Oh, oh là oui. Là là là, il me fiste. Oh, là. Oh c'est tellement absurde. Les vrais combats. Regarde ça. Non. Il bouffe. Ami. Je n'aurai pas le temps. Oh là là. Oh là 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 là. Cette espèce de tourbillon dans mes couilles que t'as fait un moment. J'ai tellement rien vu. Bon c'est terminé. C'est bien beau tout ça. Allez. Mais il bouffe rien. Tiens. Attaque secrète. Qu'est-ce que c'est? Oh. Attaque secrète de Narutardé mental. Oh je... Non ça passe pas. Oh non, j'ai raté. Oh la choc, j'ai raté. Oh il tourne. Oh non. Il tourne. Oh elle tourne la peluche. Et attention, ça charge. Il tourne. Non. Boat. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh elle est bloquée. Oh j'ai plus rien. C'est fini. C'est fini, elle chute au sol. Okay. C'est terminé. La grenouille. Le Kermit. Oh le punch. Oui, les téléports. Oh non, il revient. Les téléports. Il revient. Les non téléports. Oh oui, le kick. Oh, le kick. C'est beau. Le pied dans le cul. C'est complètement absurde. C'est mais... combat complètement débile. Est-ce que tu veux bien reprendre Kermit et moi, je prends Sonic ou quelque chose comme ça Oui. Ou tiens, essaye Sonic. Non, attends. Essaye Sonic. Ouais, c'est ça. Prends Sonic, je vais voir ce que je peux prendre et ailleurs. Et en gage de ce magnifique combat, je te laisserai Piggy. Piggy, ouais, c'est propre. Tu pourras... Il y a Luffy, mais il est mal fait. Prends Sonic. Ah, Sonic. Je vais prendre Sora, voilà. Sora, Sonic. Les vrais combats... Alors Sora, il faut savoir qu'il a le moveset de Trunks, en fait, parce que c'est le seul qui se bat à l'épée. Il faut savoir que Chrono aussi, de Chrono Trigger, est super bien fait. Mais ce Sonic est qualitatif. Il envoie des anneaux, il fait des attaques boules. Très ironique au niveau de sa charge qui est très lente. Ah oui, par contre, oui, c'est vrai, effectivement. Ah, il met son temps. Hein. Par contre, le Sora, il est tellement en 2D, il fait peur. Ah, oh là juste là, 3 ans impeccable. Après. Allez, vas-y. Attends, tu charges, là? Allez, je charge, hein. Je te vois pas charger, attends une seconde. Ah, je charge. Ah, je peux recommencer. C'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon, je te vois. C'était bugué. Tu vois? C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est clair que j'aurais fini de charger ma barre avant que toi. Mon dieu. Non, c'est bon. Vraiment. Impeccable. Essaye de courir au sol pour voir. En plus, t'es super rapide. Oh mon dieu. Too fast. Gotta go fast. Bon, allez, Oh la vache. No you. Take this. Oh. It's no you. Soy. Oh c'est stylé, c'est Sora mon gars. Ah, je commence à avoir un traumatisme de Sonic 2006. Ah putain. It's no use. Non, c'est traumatisme. Oh putain. Oh la vache. C'est Super Sonic. Soy. Oh bien joué. Oh là le tourbillon. C'est parti. Non le tourbillon. Parti. Oh oui. Tourbillon bouffe ça. Oh non. Oh putain.
Oh, et là, par contre, là, c'est sanique, là. On l'a une contrôle, it's no use. Oh oui. On l'a ici, on envoie des anneaux. It's no use. Take this. Pour ceux qui comprennent pas, si vous avez pas joué à Sonic 2006, le traumatisme n'est pas encore réel. Oh là 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 là. Sora qui se fait mes bolosser. Oh là, le gang bang. Ah mais là il faut, ça lui apprendra à pas pleurer auprès de Riku. Deuxième service. Non. J'ai raté. Le disque au vol. Mais it's no use. Putain, en plus tu sais que tu vas plus vite avec Sonic que tu me rattrapes. Oui. C'est dégueulasse. Oh non. Ah et toi tu bouffes là. Allez. Non, mais non, ah, j'en ai qu'un seul malheureusement. Évidemment, il a juste la Ah, je ne te vois pas, je ne sais pas où tu es. Tourbillon du moins, voilà, c'est ça. Voilà, là par contre, oh, tu dors. Là, it's no use. Tu dors. Oh là là là. Au sol. Le meurtre à la Keyblade, mon gars. Par contre, ces combos de fou, il fait tellement pas de dégâts ce Sonic, il a tellement des stats de merde. Malheureusement, il est équilibré au niveau d'Yamcha, quoi. Ce qui est dommage. C'est inefficace. C'est inefficace. Attends, on est pas mal. Est-ce que tu veux bien faire un combat avec d'autres persos, mais originaux, qui ont été modés, qui permettent les transformations en cours de combat? Ce qui est assez exaltant, d'ailleurs, de changer d'une forme à l'autre, là, ce que le jeu normal ne pouvait pas t'autoriser. Est-ce que tu veux bien, je sais pas, en plus, il y a même couleur, enfin, Freezer, cinquième forme, qu'il y a dans DBZ Multiverse. Et là, il y a un couleur. Est-ce que tu veux bien prendre couleur Force Form, c'est-à-dire la troisième forme de couleur qui se trouve sur Frieza Final Form? À droite de Raditz, c'est celui-là? Oui, c'est à droite de Raditz. Moi, en attendant, attends, il est où Freezer? À côté de Freezer. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ah merde, ouais, pas nice, Alice de CEO. Good enough. Parce qu'en fait, c'est un couleur qui peut. Faire toutes les transformations que. Voilà, c'est ça, faire la transformation au niveau 5, c'est-à-dire faire sa forme au-dessus. Et que normalement, ils ne peuvent pas, qu'ils ont enlevé ça de Xenoverse 1. Je sais pas si. Non, il était pas couleur dans Xenoverse 1. Donc je. Ils ont enlevé la transformation. C'était dans Raging Blast 2, mais voilà quoi. Mais je trouve ça stylé et je trouve ça dommage qu'ils aient fait des persos différents et qu'ils aient pas inclus des transformations pour les persos déjà existants. Miss Toyano. Oh, ça charge. Ça charge l'amour. Bon, par contre, il va falloir s'y mettre au niveau du frangin. Déjà ? Bah oui, attends, toi t'es déjà en quatrième forme, tu respectes. Oh là là, par contre, après c'est le combat. Le combat est réel, hein. Oh là là, ce point. Oh là là! On y est! Oh mon dieu, je ne bouge plus! Et attention, regarde ça! Ça c'est. Oula! Oh merde! Oh merde! Putain, j'avais pas assez de mana pour le. J'ai rien fait, je suis resté comme un con devant en essayant de voir ce que j'allais faire et en fait j'avais pas assez de mana, j'avais rien du tout. Non! Putain! Ah la vache! Au sol! Ah non! Pourquoi il a attaqué derrière? C'est bon! Ah non! Attends, une seconde! Aïe! Ah, là, forcément! Allez, attention! Prends ça! Soi! Oh là là! Oh mon dieu! C'était un peu trop près pour moi! Oh là 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 là! Ah oui, ça c'est l'attaque dans mon dos! Nami! Ça touche! Tac! J'essaie de prévoir les téléportes à l'avance. Oh là là, la mitraille. Prends un objet, ça ne sera que plus beau. Attends, prends un objet. Voilà, c'est bon, attends, régène capsule, attends un peu de secondes que ça régène. Reviens au sol, charge la barre. Voilà. Et montre-moi la forme au-dessus.
Ah oh, merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Attends, il est bloqué, il est capé. Ah, il est capé. Mais contrairement à toi, mon frère, je me suis entraîné. Oh, le mec, il me fait des lasers des yeux. Non. Contrairement à toi, mon frère, je me suis entraîné pendant tout un week-end. Tout un Nani week-end, tu te rends compte. Et en m'entraînant pendant genre 14 heures, j'ai atteint le niveau de Super Saiyajin. Oh. Hein? Golden Freeza to demo imashouka. Oh, Golden Freeza. Et le avec pire, les mains comme ça. Oh mon dieu. Le pire c'est que ça change mes attaques en plus, c'est ça qui est stylé. C'est vrai? Ouais, ah, c'est comme ça. Donc là le combat, là je te fais plaisir, je me laisse frapper. Mais là. Mais là c'est unilatéral. C'est unilatéral. La max. Tellement tu les attaques. Oh stylé. Tac tac tac. Putain, aïe. Ah j'ai tout pris. Là j'ai tout pris. Le baroud d'honneur. Tout l'honneur est là. Allez. Soui. Oh non, il l'a bouffé. Allez. Vas-y. Non, oh, j'ai touqué Blo. Oh là 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 là. Pense au moins, pas des... Pense... Oh non. Ah, attends, là, j'ai du mana. Non. Tac. Oh. Oh. Oh là 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 là. Je tombe. Il tombe, il chute. C'est bon. Allez. Oh non. Allez. Oh, il est brisé. C'est la fin. Il est brisé. C'est terminé. Psychologiquement. C'est terminé. Je suis. C'est moi que papa aimait le plus de toute façon. Putain. Ah, c'est moi, j'ai pas pris le bon. Bah, tu vois, je t'avais dit, en fait, attends, c'est dans les okay. En fait, il était à droite du. Enfin, il est dans les costumes. C'est moi qui l'ai mal placé en mode, hein, je suis désolé. Mais il est dans les costumes. Tu m'as dit quatrième forme, j'ai pas. Ouais, j'ai ça, mais t'as pas. Il est dans les costumes. Il est dans les costumes de Frieza, cinquième forme. Ah, d'accord. Frieza, forme ultime. D'ailleurs, il y a ça à faire. Moi, je propose de ressourcer, il y a pas de mystère, regarde. Le rematch. Frieza, cinquième forme, je vais le prendre. Je le prends pas en golden, juste en cinquième forme, qui est stylé. Voilà, tu prends couleur quatrième forme. Moi, cinquième forme. En fait, à gauche debout, bout de l'univers 4. Dans les modés, tout à droite. À gauche debout. Juste en bas, à gauche du Great Cybermen. Oui, on le montrera lui aussi. Tu vois, il y a Frieza, cinquième forme. Au-dessus de Captain Falcon. Je le vois pas du tout, hein. Au-dessus de si, je le vois. Voilà, c'est bon. Et attention, okay. C'est le troisième costume. Go for it. Troisième, ok. Troisième. Tu me le dis très vite, hein. Juste attends. Mais là, voilà, les vrais duels. C'est pour ça. Et en fait, c'est cool parce qu'ils ont mis cette cinquième forme de DBZ Multiverse, qui est vraiment un très très bon fan-made manga. Frieza. Hein. Très qualitatif. Et t'as vu, il est stylé. Mais du coup, je t'invite à charger la barre. C'est une sorte de fusion, en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment la cinquième forme. Tu sais, quand ta couleur qui se transforme, donc tu pouvais deviner que Frieza, il l'avait aussi. Il était plus grand. Oui, c'est ça. Et tu pouvais deviner que Freezer, il l'avait aussi. C'est juste qu'il l'a jamais fait. Pareil, parce qu'elle est moins puissante que le Goldo. Ah oui, elle est moins puissante que le Golden, c'est sûr. Mais pour le coup, voilà quoi. Charge à donf. Voilà, la transfo, tu as la transfo? Oui. Ah voilà. Les oh muscles. Là, tu vois? J'ai les muscles. Et tu vois, c'est stylé, on a trouvé dans le masque et tout. Oh, les combos. Ça y est, ça commence. Oh non. Oui. Alors là, c'est le gros combat de papa, là. Là, c'est les muscles. Non. Bakame. Ah, où est-ce que je l'ai? Bien joué. Alors, Jet, Beam, Destructive Ray, Supernova et Full Power Energy Wave. Ok, je regarde ce que j'ai. Putain, mes barres. Mes barres, madame le juge. Là, je te tiens. Changement stratégique. Oh putain. Oh. Prends ça. C'est moi qui ai la plus grosse. Non. Qu'est-ce que... Double énergie wave. Oh non. Il a tout bouffé. Il m'a pas laissé charger. Ah, j'ai le rayon des yeux aussi, c'est sûr. Ah, le rayon des yeux. J'ai aussi Sledgehammer, c'est-à-dire masse, le coup de marteau en fait. Que tu utilises genre généralement comme ça. Allez, t'étais à fond là? T'étais pas à fond? Non.
11. Oui. Oh non, ah, raté. Le coup de masse, le vrai coup de marteau, mon gars. Ah, oulalalala, à côté. Ouh. Oh, les bouboules. Le rayon des yeux. Oh là 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 là, je me fais mes bolosser. Je me fais mes bolosser. Bolosser, madame le juge. Non, non. Ah. Oh, oh les lasers. Oh les yeux. Oh non, Fanny, massacre. Oui. Oui, bouffe. Death beam. Ça bourre les rayons. Ça bourre les rayons. Oh non. Il oui. Cherche les objets, il a pas assez. Ça y est, il va me charger, il va me charger. Je me charge. Non, mais il est pas là, ça n'avait pas assez. Non, je me... Ah, oh non. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me ressourcer. Ça claque de litage. Bon écoute, non, je pas. Moi je propose double supernova battleur. Ok. 3, 2, 1, boule. Allez. Ne jamais croiser les couilles. Ouf. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. C'était une feinte. Un train prend tout. Prends tout. Allez, ski. Oh, oh la parade oh. Parfaite. Oh. Incroyable genou. C'est parce que trop beau. Le death beam, oui. Oh oui, là là. Le rayon, putain. Bon. J'ai perdu, mais c'est tellement beau. C'était magnifique. Je veux pas me la péter, mais c'était magnifique. Mais c'était à moitié de la chance. C'était à moitié de la chance, mais voilà, les vrais c'était moments. Beau. Mais c'est stylé, t'as vu le mode est bien foutu. Et t'as vu ta transformation. Toi, t'as eu la caméra sur ton perso, donc tu peux dire que oui. c'était bien foutu. Donc voilà. Allez, on s'en fait une dernière. Oui. Une dernière, est-ce qu'on ose. On ose avec des persos qui veulent rien dire. Est-ce que tu prends... Sammy de Scooby-Doo, mais prends-le en mode Broly, prends-le en mode God. Deus. Voilà, okay. En mode Deus. Moi, je vais prendre Kali. Oh oui. Kali, le nouveau perso donc de Dragon Ball Z Super. Bon, bah, une Broly, quoi, écoute, c'est valide. Moi à la rigueur, Kali, c'est celle qui me dérange le moins, en fait, dans DBZ Super. Moi, ce qui me dérange plus, c'est Caulifla et Kaba, quoi, en fait. C'est ça, c'est ces deux autres-là, en fait, qui découvrent toutes les tronçons. Ça sera tellement un Scooby-Scooby pour moi. Parce qu'à la rigueur. Oui, c'est. Oh putain, oh là là. Je suis quoi? Bonjour madame, vous semblez être perdu. Bienvenue dans l'avenue du vieux. Scooby, 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 Scooby. Ça fourmille dans ton dos, ça fourmille oh, dans putain. Ton dos. Oh putain. Oh la vache. Alors il faut savoir qu'il a. Allez, fais-moi fourmiller. Alors il a Shaggy de Scooby-Doo. Et il faut savoir, brave Jean, que même si je lui mets. Attends, bouge pas. Même si je lui mets les plus gros coups de poing que je peux. Regarde, il a pas perdu. Il a rien perdu. Vas-y, regarde enchaîne la vitesse. Enchaîne-moi, ça veut rien dire. C'est absurde. Il a rien pris. Mais bon. J'ai Caulifla. Allez, pardon, fourmille. J'ai Kali, je fourmille. Je fourmille. Ah, je fourmille. Le fourmille. C'est bon, attention. Les vraies téléportations. Oh, je suis derrière. Attention. C'est. Ah putain, ma barre. Tu ne fourmilles pas assez pour moi. C'est. Et attention, t'es prêt. Ça fourmille. Transformation. Non. Le muscle. De la fourmillée. Et vous voyez, ça lui a fait grandir sa taille. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Bon. Pas que là. Le pouvoir est égal. Oh, il a bouffé. J'ai contré son ultra avec une super. Et ça, c'est beau. Oh la vache. Arrête dans les ovaires, ça. Ah putain, ma barre. Ma barre, ma barre, ma barre. Oh merde. Non, ça c'est inacceptable. Oh là là, attention, transformation. Transformation légendaire super simple par la taille. Ça y est, je suis Broly. Enfin, je suis Broly. Je suis Brolette. Je suis Brolette. Je suis là, on est prêt. Ah ouais? Papa. Oh le papa. Papa. Gauche, droite, gauche. Oh, qu'elle est sexy comme ça. Et on n'oublie pas de sourire. Et ouais. Ouap. Oh merde. La boule. Oh les dégâts. Allez vas-y. Ah putain. Ah merde, aïe aïe aïe, ça fait les dégâts par contre, les dégâts que ça fait. Non mais les dégâts. C'est pas possible. Bon, Je charge. Une petite capsule de régénération parce que ça pique quand même. Il pique fort. Omega Blaster et Gigantic Destruction. Je sais pas ce que vaut Gigantic Destruction. Ah d'accord. Oh, tu vois, c'est pas... Oh. C'est un gros Megalaxy. C'est le Megalaxy. Oh là, la bouboule.
C'est bon, tout est esquivé. Ah ouais. Papara. Oh oui. L'esquive. Y'a pas de papara. Papara. Oh l'esquive. Oh non, il m'a oh, quand même. Explose, c'est trop rapide. Mamie. Par contre, je suis paralysé après, ce qui est dommage. Y'a rien qui passe, y'a rien qui passe. Non mais c'est pas possible, y'a rien qui passe dans ce pays. Oh non. Prends ça. Mais il continue à régénérer de la vie. Mais oui, la régénération mon gars. Ah j'ai raté. A-U-I-O-U. Mais il régénère. Il régénère à l'infini mon gars. Oh ça bouffe. Ah oui. Ah je peux plus rien faire. Oh c'est fini. Ah ça break. Oh non. J'ai eu le temps. Ouf. Est-ce que Shaggy super légendaire gagne l'espace? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh j'ai gagné. Oh je sais pas ce qui s'est passé. J'ai gagné. Ah il faut savoir que voilà, si Dudu avait joué avec autre chose que sa bite, hein, c'est-à-dire si tu joues perso de Shaggy, le Shaggy légendaire, Gary super Saiyan légendaire Shaggy en fait, super Saiyan légendaire Sammy de Scooby-Doo, si tu joues avec lui, t'as aucun moyen de perdre, c'est juste absurde. Je ne pensais pas que j'allais mourir juste en te poussant dessus. Ah oui c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Écoute, je propose un dernier match parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, cette première, on en fera peut-être une deuxième, ça ferait plaisir, mais cette première vidéo, je te propose de prendre nos cacs, c'est-à-dire nos persos à nous. Et d'y aller à fond. Parfait. D'y aller à fond avec l'ambiance des BZ. Quoique, peut-être y aller à fond. Est-ce que je prends le gentil ou est-ce que je prends le méchant? Je vais peut-être prendre le méchant. Ou le cyborg. Le cyborg, non, le cyborg, je le garde pour la prochaine fois. Je vais prendre le méchant. D'accord. Et là, on va se la péter très fort. Justice Warrior alors. Ah bah super. On n'a pas encore vu. Ouais, mais il faut bourrer. Il faut bourrer. Voilà. J'ai pris le méchant avec le symbole magie et tout. Il nous faut une map de méchant. Voilà, une map de méchant. Très bien. Je coule. Plasmatica. Oh là là. Par contre, t'as les petits symboles. Faut que je mette les petits symboles, moi. J'en ai plein, mais je les ai pas mis, en fait. Symboles. Moi, j'ai juste mis élève de Monsieur Popo. Oh, les stylés Plasmatica. Oh, les vrais super-héros. J'avoue. Là, ça respecte. Elle est là. Elle est là. Ça respecte. Alors, attention, bien sûr, avant le combat, les phases d'insultes et de charges. Évidemment. Évidemment, hein, donc j'approche doucement. Ah alors, ça monte, hein. Ça monte. Hein. Pas mal. Et du coup... Ah oui, je te regarde, je te voyais pas, bah, je te vois pas charger ton ki. Ah non, mais non, du coup, t'as une transfo ou pas? Parce que je charge. Ah oui! Voilà. Pardon. Respect. Oh, en rose elle aussi! Oh, c'est. Le vrai budget! Je t'attends! Rosé. Est-ce que le rosé est réellement nécessaire? Goto. On va commencer par le Goto. Il me sous-estime. Ça sous-estime. Oh bien joué. Oignon l'attaque. Oh l'oignon. Oh l'oignon. Oh, ça fait trop mal. J'ai vu un Shrek. Très bien. Il y a eu du Shrek dans le tas. Oh la vache, t'as pu te téléporter, t'as passé le bar. Oui, c'est craqué. Oh, je l'ai raté. Bien joué. Écoute, intéressant. Cependant, je n'ai pas fini. Allez, attention, je me pose. Évidemment. Je suis prêt. Oh non. Oh là là, stylé. Attends, t'as pas le Kaioken au-dessus? Attends, vraiment je l'ai. Tu me permets? À fond, bien sûr. Attends un peu. Attends un peu, descends au sol. J'arrive. Rose, bien sûr, Rose. Vénérez tout le monde, vénérez nous. Tu charges le cosmos. Et enfin, tu montes ton super Kaioken. Elle n'y est pas. T'as pas l'ultra Kaioken ou ça? Le lock. Quoi, c'est il est là? Viens, ah, le rosé normal? Non, mais t'as juste le rosé en fait. T'as pas pris Super Saiyan? Parce que le Hall Super Saiyan avec le rose, et ben ça te donne l'accès au délicieux, au formidable. Je ne l'aurais pas besoin. Oh mon dieu! À la vraie puissance! La vraie puissance, mon gars! Ça ne sera pas suffisant! Oh, je te passe dans le dos de chez l'enlevé! Dans tout le dos! Oh, pas suffisant! Zouop! Oh,
l'oignon. C'est facile. Les vraies au sol. Transformations. Au sol. Bah bien sûr. C'est surprenant que t'aies pas pris le Super Saiyan bleu pour ton mais héroïne. Je pensais pas qu'il y était pour le rose. C'est ça qu'il y était pour le blue. Ah bah si il y est, mais il faut prendre. En fait t'as deux halls Super Saiyan 1. Il a 800 de coups de mana. Et en fait ça veut dire qu'il a le SSJ 1, 2, 3, 4. Il y a le 4. Et il y a Super Saiyan God bleu Kaioken, bleu Kaioken x10. Et en fait l'autre c'est pareil, sauf c'est juste Super Saiyan machin. T'enlèves le Super Saiyan 4, je crois, et c'est rose. C'est juste le rose, en fait. Ça les différencie. Okay. Et du coup, t'as quand même le Kaioken Super Saiyan complètement pété, complètement abusif. Ah bah là, j'ai vu ça, il est pété. Hein. De tout téléportation infinie. Ah bah oui, par contre, t'as vu la vitesse à laquelle ma vie descend. Par contre, heureusement que j'avais l'objet de régène, parce que sinon, voilà, mais à la fin, j'avais plus de vie. Alors que tu m'avais pas touché, mais t'étais téléporté, ça veut rien dire, c'est absurde. Oui. C'est pour ça. Donc du coup, je propose d'en terminer avec un vrai combat. Je propose que tu prennes le Great Saibaimen. Voilà. Le vrai Great Saibaimen, le Kiki. Est-ce qu'on termine sur un combat de Wukiki? Wukiki. Voilà, parce que nous, les Saibaimen, ça nous excite, hein. J'avoue, les Saibaimen sont présents là. Je vais prendre Saitama face au Saibaimen. J'y crois. Allez, j'y crois. Ah, il est chauve aussi, hein, ça marche. Oh putain, ça marche, hein. Ça marche. Cell Game. Dans un univers alternatif, il y a un Saibaimen qui a grandi au-delà de tous les autres. C'est le super légendaire Saibaimen qui résiste au coup de Saitama. Ah putain. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est 10 000 Punchman. C'est un OAV. C'est ça. Par contre, tu ne peux pas charger. Moi non plus, je peux pas charger, donc je te propose de passer directement au plat de résistance. Kiki. Oh, bien vu. Kiki, double Kiki, Kiki. Il est efficace. Kiki. Oh. Bon, tout va bien. Kiki. L'acide. Oh, l'acide. Oh, je vous embrouillez. Ah, putain. Ah, j'ai été repoussé, mais attention. Ah, j'arrive pas à le charger correctement. J'ai pas le temps. Oh la vache, le contre du compte du Kiki. Ah putain, j'arrive pas. Putain, mais les attaques, le Kiki. Mais c'est trop. Saitama qui est rapide. Saitama qui est rapide. Bon bah voilà, je n'ai pas été le One Punch Man, mais bon, il y a des gens, ils sont témoins dans la vidéo, je me suis pas servi de mes points, donc ça compte pas. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si ça vous fait plaisir. Des vrais combats sur Xenoverse. J'ai rajouté la musique à la main après coup. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine sur Fantao Games. Fais-leur des bisous. Un plaisir. Oh, c'est ça qui est bon.